Bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve sur Force of Nature, Ghostkeeper, le numéro 2, deuxième opus, toujours avec un plaisir. Dernier épisode, on a continué les îles paradisiaques, on a trouvé des coquillages, du coup des perles, et voilà, bah du coup, 4 perliculture. C'est sympa, je me suis dit pour voir, parce qu'au cas où ça ne prendrait pas beaucoup, mais en fait ça fait par 25 je crois... Voilà, elle a pas beaucoup, hein, j'ai juste relancé. Regardez, j'en ai déjà 40 sur moi. Ouais, par contre, ça a pas fait des masses, hein, c'est marrant. Je crois que c'était plus rapide que ça, j'ai juste pris avant de lancer le tournage. Tac, ah ouais, une minute par perle, donc en une demi-heure, 25 minutes, vous en avez 25, voilà. On va les laisser tranquilles. On va laisser les fantômes bricoler, faites quoi, du four. Des choses et d'autres. Voilà, le temps de me réhabituer aussi à la 3D isométrique. Et si on regarde un peu, j'ai un peu de perles. On est bien. On va commencer par faire quelque chose. Les perles, ça permet de faire quoi? De la nacre. Faisons-en le max. J'ai des choses à ranger là, du lin. On verra ça après. Il y a du matos de prêt. J'ai de la terre. Voilà, on va déjà prendre ça. Et on va à la table d'apprentissage, puisque maintenant nous allons apprendre l'acier de Damas. Donc une nacre, une feuille de fer, 3 papyrus qui étaient longs avec la colle, les encriers, j'en parle même pas, 5, et une plume. On recherche. Allez, c'est plus important. 25e épisode, tranquille, bien. Sans être pourchassé par des zombies, ça fait du bien. Et alors, c'est tout? On n'a plus de recherche? C'est vrai, on dirait. Nouveauté! Alors, la table d'apprentissage, passer au niveau 3. Des lentilles. Le soufflage du verre. Le thé d'artisan. Un stylo en acier. Oh punaise. Donc ça va être le taf aujourd'hui. On va upgrade la table. Ok. Et une feuille d'acier. Punaise. Punaise, punaise. Alors. Ok. Là on ramasse tout. On va même le laisser dans le coffre en bambou. Voilà un peu ce qu'il propose. Ici de la colle, oui. Torche, marteau. Ok. Ah bah voilà. Nouveauté chez le tailleur. Des boucles en acier. Puisqu'on a l'acier, voilà. Bracelet de jambes. Armure 3, là, passerait à 5. Protection contre la chaleur. Santé max supérieure qu'armure supérieure. Pas mal. Donc tissu en coton, boucle en acier, feuille d'acier. Oui, bah ça fait pas mal de choses à farmer. Oh, et un grand sac. Avec 3 boucles en acier, 5 cuirs, 10 cordes et 15 fils de lin. Allez, donc c'est bien des aztèques qui ont trouvé. Brassard d'aztèque. Pantalon aztèque. Ok, 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 ok. Ce qui veut dire que j'ai du stuff que je vais devoir abandonner. Je suis comment là? En cow-boy, qu'on tisse plus. Ça non plus. Je vais peut-être devoir faire une nouvelle pièce pour ranger tout mon matos. Hein. Très bien. Atelier. C'est parti. Les fameuses lentilles. Du verre, du sable tropical. Branche, feuille d'acier, creuser en pierre. C'est nouveau, on va le faire. Donc on a un marteau en acier. Ah, punaise. Il me faut un acier de Damas. Au fourneau niveau 2. Ciseaux en acier. Pareil.
aiguille en acier. Bon, je pense que ça va nous occuper un petit moment, cet upgrade. Alors, le haut fourneau. Faire du verre, oui, mais avec du sable tropical, du salpêtre, charbon, braise, d'accord. Bouteille en verre, tu mets ça en verre, et acide damas, c'est du verre. C'est ça l'acide damas? Ah non. Fer, nacre, charbon, braise. Ah, c'est avec de la nacre. Donc tout est upgrade, évidemment. Ok, donc tout va être à base d'acide damas. La lance, par exemple, dégâts 30 au lieu de... Ah oui, quand même. Un arc en acier, dégâts 25 au lieu de... Ah, j'ai même plus d'arc. Des flèches en acier. Donc tout va se focaliser sur l'acide damas. De fer et nacre, charbon, du fer, est-ce que j'ai ce qu'il faut? On va dire tout ça. On verra après pour les clous, c'est pas important. Non, j'ai dit un peu de fer. On va pas le faire en feuille de fer, faut pas se tromper. Ici on a récupéré quoi? Qu'est-ce que j'ai crafté? Des braises. Ça c'est bien. On récupère des branches. Oui, encore un peu. Est-ce que j'ai du charbon? On a un peu de charbon. Oh, en fait j'avais mis plein de fer à fondre, c'est cool. Alors, sable tropical et salpêtre. Pareil, on va s'inquiéter un peu du verre. Si bien, ça va me faire des révisions. On n'a pas remis le nez dedans depuis un petit moment. Donc là, on fait du soufre. On peut faire que du soufre, on est d'accord. Où est-ce qu'on fait le salpêtre? Dans le composteur. J'avais oublié, on va jeter un œil. Donc, vous remarquez que j'ai commencé à faire aussi des stockages d'engrais partout. Des composteurs, j'en ai 3. Hop. Alors pour faire du salpêtre, il faut des excréments, de l'eau et du charbon. C'est tout ? Oh bah alors, les cocottes, il va falloir faire des popos. De l'eau, j'en ai aussi, je peux en faire comme ça, attends. On va bosser. On va commencer par fabriquer plein de salpêtres, première étape. Allez, à la dure. Et on garde la tenue des îles pour l'instant. Quoique cowboy zen aussi. Bon, je suis pas mal encombré. On va essayer de ranger ça aussi. Le lin déjà. Tu voulais en faire pousser? C'est vrai qu'on a l'engrais, on a tout. Faut être patient. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, le micro est un peu loin. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Je n'ai plus d'eau. Ah, punaise. On va prendre 50 excréments.
Et si je demande du salpêtre au brut ou au purifié? Ouais, bah oui, c'est toujours le même problème. Voilà, là, c'est fait. Est-ce que je peux ranger le reste d'engrais? Oui, c'est bon. Le puits, pareil. Les fantômes ne font plus leur boulot. Faut que je fasse tout dans cette maison, hein. Bon, on a quand même 52 fer. C'est dommage que ce soit pas stackable. Permettez-moi de faire un peu de stock d'eau. Deux fantômes, c'est juste, hein. Il en faudra 3 ou 4. Ok. Ah, puis les copains vont tous sur New World, je les vois popper, là, ça fait envie, je lutte. Mais non, quand même, on a des objectifs ailleurs, heureusement. Puis vous connaissez, je suis pas monogame, il faut que je touche à tout. Et là, j'ai beaucoup de plaisir ici aussi. Voilà. Ça, c'est bon, c'est lancé. Donc là, je peux en faire 20 parce que ça utilise 30, on a large. 10 charbons, 40 excréments. Oh, c'est bien ça. Donc il me faut une trentaine d'eau. J'en ai peut-être en stock là. Tiens, regarde. De l'eau purifiée. Et des excréments, il m'en faut 40. Donc ça consomme pas mal. On va peut-être ranger un peu le bazar. La salpêtre. Et pas assez d'eau. J'ai cru... Oui, j'ai fait du stockage d'engrais là aussi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, oh, et la musique est avec nous. Encore mieux. Toile de jute. On y pensera, on sait qu'on le range là. Ça fait un peu de place. Et le lin. Et les graines de lin. On va ranger les œufs ou pas? Je sais pas. On va travailler au village aujourd'hui, hein, c'est clair. Mais tout ensemble. Voilà. Alors les hauts fourneaux, enfin les fours à charbon améliorés, on consomme moins, c'est quand même bien. Si bien, il ramasse de l'eau, ça aussi c'est cool. On va le laisser faire son salpêtre, hein, ça se fait naturellement. Là, si j'en veux un max... Je pourrais faire encore du salpêtre? Non, c'est max. Composteur plein, plein. Que là, il me manque des excréments. D'accord, donc on va compléter. Ah bah c'est l'eau brute. Normalement, je peux compléter, hein. Il manque quoi encore? Des excréments toujours? Ah ouais, je vais faire double salpêtre. Là, faudrait tous vos cacas. Hein. Finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà. Tout est lancé. On va laisser faire. On va ranger le reste des excréments. D'ailleurs, ils vont produire encore. Merci. Et ici. Hop, hop, c'est bien.
Bon, les vaches se portent bien. Ok, donc ça, c'est lancé. Maintenant, on va aller voir un peu le sable fin, tout ça. J'ai quoi déjà comme matos centraux? De la terre. Pourquoi? Est-ce qu'ici, je range la terre? Là, on range plutôt les pierres. De l'argile. Tiens, pourquoi pas... Hop. Ça, c'est fait. Des fléchettes, j'en ai plus beaucoup non plus. Des feuilles de fer, de la nacre. Attends, tu veux que je mette tout en feuilles de fer? C'est bien ça en fait. Et on appelle les fantômes à la rescousse. Donc là, c'est parti. Et il me faut beaucoup de nacre. Ça, c'est pas une blague. Voilà. Waouh, on a tout exploité. On va dire à un fantôme de venir. On va continuer à ramasser un peu des perles. Donc ça vaut le coup d'avoir fait ça. J'en ai combien? 17. Ah, c'est assez intensif là. Voilà, 112 perles, c'est bien. Ça va être très, très, très long. Dès que j'ai mes feuilles de fer, tout ça, on se retrouve. Allez, on continue nos crafts, ça avance, le nacre est fait. Enfin, la nacre, j'en ai déjà un petit stock. Et là, je suis en train de faire de la colle, puisque l'objectif, c'est quand même l'upgrade de l'atelier de recherche aussi. Je continue à préparer ce qu'il me faut. On va ranger un peu tout. Heureusement qu'à côté, ils font mes feuilles de fer. J'étais voir le salpêtre, ça avance tout doucement. Clac. On va ranger ici le lait, c'est clair. Purifier. On va ranger un petit peu. Ça par contre j'aurais besoin quand même, ça produit tellement le salpêtre. On a du sel de mer encore pas mal. Ouais, on est bien. Donc du papyrus, il me faut la tête. Je crois que c'est ça, 5 bambous en plus. On va voir ce qu'il faut avec la colle. La colle, c'était de la cendre, c'était des pommes de terre, c'était du lait. Enfin, la joie complète, voilà. Et il me faut les 5 colles. Ah bah alors, tech. Ça, avec la fibre. Comment ça... Ah, c'est 3. Bah écoute, on prend tout, hein, on se casse pas le bruchon. Voilà. On va laisser Fantomas travailler dessus. Merci à toi d'être venu m'aider. On range au fur et à mesure, ça j'ai plus besoin. Donc les 5 papyrus sont en train de se faire. Il faut une feuille d'acier, des clous, des planches. Un stylo en acier, il faudra une feuille. Mais des lentilles. Alors les lentilles, il faut m'expliquer, il m'en faut 10. Ce sera avec du verre, du sable tropical et toile de jute. Normalement j'ai ramené du sable tropical. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je pense qu'il est temps d'aller en ramasser, les amis. On va pas se mettre en danger, hein. Allez. Et on va changer de stuff, évidemment. Allons à Palmito. Le peuple oiseau habillé en aztèque, ce sera, je pense, au prochain épisode, hein, quand on sera prêt, évidemment. Ça m'a permis de me faire un petit café le temps de crafter toute cette nacre. Quand même assez long. Est-ce que j'ai des ennemis dans le coin? Non, apparemment ça va. Allez. Et merci à une petite bulle magique de m'éclairer, ça c'est super sympa.
Je prends photo quand je suis de corvée, c'est pas mal aussi. Tu salpêtres, ça avance. On va prendre au moins 3 séries. Hein. Là, je ne mange même pas, ça recharge tout seul l'endurance. Femme courageuse, Jen. Et une dernière fois, s'il te plaît. Voilà, 39, ouais, non, on est bien. Si on fait un truc rond. Je me suis lancé encore dans les trucs. Et est-ce qu'on peut rentrer chez nous? Ça, c'est bien. Très, très bien placé, hors de danger. On est super. Bon, on va faire un tour un peu, notre production de salpette. C'est pas urgent. On est où, là? On est ici. Le principal, c'est que ça produise. Au niveau des feuilles d'acier, les gars, vous êtes comment? Vous êtes bien, hein? Ouais, vous êtes très bien. On va ranger les excréments. J'aurais dû faire ça en off, mais c'est la vie. C'est pas la vie de château, mais c'est une vie quand même. À libérer. Ça, c'est cool. Et même si j'avais des excréments encore. On va arranger ça. On va se faire de la place. Le sac d'engrais, je pense que pour l'instant, c'est bon, quoi. J'ai jamais été aussi riche que ça. Je pensais pas avoir autant de matériel dans ce jeu. Ça, c'est fait. Hop. Et si je veux en faire encore un paquet? Il me reste plus que 10 flottes. Non, c'est déjà bien. Ça, c'est bien. On va même ranger la flotte ici. Et on a également encore du salpêtre. Voilà, on a 60 salpêtres, c'est bien. C'est de la folie. Alors si je veux faire du fer, c'est feuille de fer. Non, ah c'est damas, oui, mais du verre, c'est feuille sable tropical, voilà. Salpêtre. Pour 20 morceaux de verre, 20 lingots de verre, donc c'est 100 sable tropical. Quand même, 20 salpettes, ça va. 100 de charbon, ouf, 40 de braise. C'est parti. L'acier de Damas, donc, si j'en veux un max, je manque de charbon. Mais non, on manque pas de charbon. On va relancer les prods. Hein. Donc si j'en veux un max, c'est donc 15 feuilles d'acier de fer. Ah ouais. 10 nacres. Donc ça consomme pas beaucoup. 60 charbon. Ok. On fabrique. Et je n'ai donc plus assez de feuilles de fer. Il m'en faut 15. Là, ça m'en fait... Bah, j'ai le compte, là, 15, à nouveau. Voilà, on refait un petit peu, hein. On va ranger le reste du fer, ici. Ok. On est donc d'accord, là c'est pas mal. Pas mal du tout, très bien. On va les laisser faire. Et nous, est-ce qu'on relance du charbon du coup?
Alors du charbon à base de bois ou à base de branches avec des braises. Est-ce qu'il me reste assez de branches? Oui, j'ai été faire du farm. Alors, voilà, 32 branches, 16 braises, c'est énorme. Voilà, ça commence à fumer. Et on est reparti faire tout ça. Là, c'est une vraie industrie. Clac, tac, tac. Orange, s'il te plaît. Tu peux me faire comme ça. On va aller voir les perles. On ne perd pas le fil. Hein. C'est bien les bains de moules. Hein. Franchement. Voilà. Voilà. Donc le verre, l'acier se fait. Donc pour upgrade, rappelle-moi. Il faudra une feuille d'acier. Les 5 papyrus, oui, on en est où? Les 5 papyrus sont prêts. Une lentille, c'est... Ah ouais, donc il faudra 10 verres. Du sable. Tropical aussi. J'en ai un peu. Et toile de jute. Il me faudrait des toiles de jute. Ce serait pas mal. Et ça, ça manque. Du coup... Est-ce que j'ai du sable aussi? Là, j'ai de la caillasse. Ok. Allons voir les moutons. C'est plus long à faire. On va les soigner. On va refaire la toile de jute derrière. Il faudrait au moins 10 toiles de jute, les garçons. Pour des lentilles, c'était pour essuyer, c'est ça? Dans son histoire de craft. Donc si je regarde... Oh, j'en ai déjà un paquet de prêt. Merci. Ça, c'est cool. On va en refaire ou pas? Ouais, on en refait. Ça, c'est pas trop long. De toute façon, c'est pas urgent. On va le laisser tranquille. Ah, l'inventaire ne veut pas se fermer. Voilà. Et on a dit du sable. Allez, c'est parti. Très bien. On a tout, du coup, en quantité, sauf évidemment ça. Non mais 10 lentilles, c'est vachement cher. On est d'accord. Sable tropical, salpêtre. Ouais, bah on ira en rechercher, on en relancera. Allez, encore un lingot de verre. On va upgrader évidemment avec nos tubes à essai en verre. Bouteille en verre, je sais pas à quoi ça servira. Et voilà nos 10 premiers lingots de verre. Tout ça pour de la recherche pure. On se croirait au CNRS. Non mais c'est ouf hein. Vas-y, fais-moi 10 lentilles. Est-ce qu'on peut appeler un copain? Qu'est-ce qu'il fait lui du verre? Ouais bah écoute, viens là pour l'instant. Viens m'aider un petit peu. Le temps qu'il fasse ses lentilles. On va aller chercher le reste. 16 clous, 18 planches. Voilà.
Ça aussi, c'est bon. L'eau au fourneau, on va pouvoir appeler notre petit fantôme qui fait les feuilles de fer. Lâche l'histoire. Continue à faire l'acide d'amas cette fois. Et on retourne aux lentilles, du coup. On en est où, mon cher artisan? Que trois de fait? Il y a du boulot. Hein. Alors, j'aurais pu tout faire en avance, c'est vrai. Mais où est le plaisir du jeu dans ce cas-là? Et comme c'est un vrai let's play, on débloque ensemble. Et ça, c'est cool. Donc, les autres jeux en ce moment me prennent beaucoup, hein, comme d'hab, manque de temps, jamais assez. Et le MMO New World en PvE, en joueur contre environnement, bah, je m'amuse beaucoup, ça c'est clair. Ça me fait un peu peur d'ailleurs, parce que ça me prend pas mal de temps. Je veux pas le jeter, hein, évidemment. Inventaire, merci. Les 10 lentilles sont faites, incroyable. Il manque plus qu'une feuille d'acier, le stylo sera avec une feuille. Donc il faut finir le haut fourneau. Et on va enfin faire l'upgrade. Alors on y est tous, hein. Du coup, on se retrouve quand tout l'acier est fondu. Quand même, on va pas être maso. On va récolter la fonte et nos acides d'amas sont faits. Voici les 20 premiers lingots. Est-ce qu'on pourrait en refaire d'autres derrière, puisque j'ai des feuilles? Ouais. Et là, je ne peux pas, parce que je n'ai plus que 5 feuilles de fer. Très bien. On verra plus tard pour ça. Ça veut dire qu'on va devoir fondre encore et raffiner du fer. Comment on est ici? Oh, on est bien, hein. On va programmer ça automatiquement, on va leur demander de le faire. Alors attends. On va se faire enrichi. Voilà, et encore un. J'avais pris le temps de miner tout ça, heureusement. On va stocker. On va le stocker où? Ici, je crois. Ah oui, j'en ai plein. On a de la marge et du cuivre, on est super bien. Il me faudrait des feuilles d'acier à partir de l'acier de Damas. Donc il me faut pour la recherche, un pour un stylo, sûrement pour autre chose. Faisons en 3 pour l'instant. Déjà, c'est assez long à crafter, hein. J'en ai profité, oui, pour aller ramasser à nouveau du sap tropical. Allez. Première feuille d'acier. Ah là là. Donc c'est du fer avec de la nacre. Technique sympa. Et je pense qu'il est assez réaliste pour que ce soit vrai. Enfin, je vérifie quand même cette histoire. Ça, c'est bon. On est bien. Le charbon est déjà prêt. Ah, oh, c'est génial. Et il me manque donc le stylo en acier. Est-ce que j'ai une branche sur moi? J'ai rangé toutes les branches. Zut. Rangeons le charbon. Attends. On va ranger le charbon là. La braise ici. Ou on peut mettre tout ensemble. Hein. Ça c'est bien. Et là c'est quoi? C'est du sable. Hein. Alors. Un stylo en acier, j'en veux un. On peut faire un marteau en acier. Pour l'upgrade ici, ça serait pas mal. Donc tout ça, ce sera pour améliorer les... Ouais, la rapidité du craft.
Ça, je verrai en off. Enfin, les outils, je vous embête pas avec ça. Et normalement, table d'apprentissage, on améliore au niveau 3. C'est parti. C'était le but de l'épisode. Est-ce que c'est un simple bureau d'études? Oh, déjà. Avec ce déluge, on va rien voir. Ah, il va falloir qu'on le tourne. On va le tourner. On va le mettre là. On va le mettre mieux. Voilà. Et on le redéplace, s'il te plaît. C'est moi qui gêne ? C'est moi qui gêne. Et voici le nouveau bureau d'études. Alors, plein de choses à apprendre. Ça efface tout. Oh là 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 là. Allez, pour le plaisir, on va lister un peu les nouvelles choses. Construction niveau 2, donc ce sera toujours avec des feuilles d'acier, des planches. Encore du papyrus. Oh, des encres. Mycologie. On n'a pas ça. Un cauchemar. Ouais, il faudra beaucoup de colle. Pommes de terre, pourrèche, toxicologie d'empoisonné. Donc il y a un nouveau biome qui nous attend encore. Toile d'araignée. Oh, 10 encres. Aïe aïe aïe. La cendre. Mycologie niveau 2. Veste de loup avec pied bleu. Traitement du jade. De la glace. Cristal froid avec papier et encrier. Traitement de l'obsidienne. On a quitté le papyrus, on est passé au papier. Sortilège. Alors ça c'est marrant. Traitement de l'or. Bon. Ben écoutez, j'aurai le temps de m'arracher les cheveux. Ce sera pour les prochains épisodes. L'aventure sera longue et c'est que du plaisir. Merci à tous de m'avoir regardé donc dans Force of Nature 2. Un nouveau chapitre s'ouvre puisque l'acier nous ouvre les portes de plein de belles choses. A bientôt tout le monde, c'était Tech.